C'est toujours un plaisir pour moi de retrouver Azote. Alors aujourd'hui, l'émission sera un peu particulière car nous participons à l'élection de Miss Ronde Réunion 2013. Pour ça, j'ai été choisie aussi pour faire partie du jury. Et c'est un honneur pour moi de pouvoir participer au choix de la nouvelle Miss Ronde Réunion 2013. Tout de suite, le sommaire. Alors, nous sommes à la rencontre de Teddy Yafar Gangamar, qui est conteur, musicien et écrivain. Ensuite, nous ça va dans les Hauts de Saint-Leu, où a eu lieu la fête du Cap, où Daniel Warhol était parrain. Donc Poussade, il a fait un concert, vous allez voir comment l'ambiance était là. Et pour finir, nous ça va direction la Ravine Saint-Leu, où a eu lieu un concert de Zouk Rétro. Vous allez voir, il y avait Mario Chico, Guilou, donc pas mal d'anciens chanteurs de Zouk. Teddy Yafar Gangamar, qui s'adresse à nous que ça est chose. Si ou t'es un fruit, moi n'aurais dit un grenadine. Nana, il dit aussi fruit de la passion. Si ou t'es un fleur, moi, il dirait un bouton de rose, parce que vraiment, ou c'est une fille de rose. Ou de peau, est doux, comme un café grillé grand-mère. Ou de le dire, il chante dans le rempart ma fat. Ou de Timin, il est tendre, pareil, cause manticouti. Et ou de voix. Ou de voix, un petit brise tiède, comme il entend, il cap mon pot en dedans. Chaque petit mot de bouche, il fait trembler mon cœur. Chaque petit bouger ou de corps, il fait frissonner mon bonheur. Chaque petit bout ou de corps, il fait mon fiaté de père. Chaque petit DS à moi pour la vie. Alors, moi, je m'appelle Teddy Yafar Gangamar. Moi, la maman, elle a grandi ici, dans le quartier Lépron. Moi, elle est auteur, moi, elle est fondkezer, elle fait bonne traduction en créole. Moi, elle est un mouni sobat pour mettre la langue créole en l'air. Que ça, une chose, un animaux. Maudit, maudis,
qu'aime la lumière, qu'aime dans le fait noir, m'y voit pas clair. Hein, tang mamay, guette son petit épine sur son dos, pareil un maudit. Aujourd'hui, je ma fin fait sorte 6 livres, un pièce théâtre, deux pièces théâtre, deux recueils poésie, deux livres pour marmaille. Ma la fin fait 4 traductions, donc on a 2-3 affaires. Il touche un peu tout de monde, c'est-à-dire marmaille, par rapport à Tigouya par exemple, bonnes adolescents parce que. Il écrit bonne fond de cœur et des fois notre texte est un petit peu. Il est un peu sentimental, il est un peu révolté, il est un peu tout ça là en même temps, il cause dessus les prons, il cause dessus la vie longtemps. Donc il concerne un peu tout le monde. Et puis pour bande grand monde aussi, parce que ben, la poésie, il passe partout. Histoires, là, pas rien que petit marmaille. Et bande pièce théâtre, des fois comme il raconte des affaires, c'est pas rien que des affaires les jolies, mais c'est aussi des affaires de monde, ils vivent tous les jours, des affaires dans la société. Alors que ça y inspire à moi dans la vie. En tout cas, mon quartier, les prons. Pour moi, elle est importante et m'y fait un retour aux sources depuis quelques années pour essayer de remettre en place un petit festival, un petit animation autour du patrimoine. Fait prendre conscience de monde que dans ce quartier-là, on a des affaires aussi pour mettre en l'air. Là, nous les dans le Bain-Bœuf, côté l'usine Les Ponts, dans la cour l'usine, dans la cour établissement, et à Théala, là, il se passe un tas d'affaires. La ville Les Ponts, là, commence ici. À Théala, nous les dans le Carreau-Banoir. Carreau-Banoir, parce que c'est dans le cassia de Siam. Que Bande Gramoun l'a planté. Là, si nous regardons tout, Bande Banoir, là, elle est alignée un et l'autre. Donc, on avait un forêt Banoir, tu es là. Et au fur et à mesure, ben, la forêt disparaît. Mais moi, quand j'étais petit, j'ai joué dans là. Moi, j'étais mon petit pied de bois, j'étais jeu cow-boy avec les camarades. On avait grands herbes partout, on avait galabé, on avait un petit sentier, on avait un tas d'affaires pour nourrir nous dans notre généreté, en fin de compte. Mais tout ça, là, ça va. On regarde le carreau Banoir, aujourd'hui, il est sec. Bande pied de bois, quand il crève, ben, la population, il replante. Donc, il est complètement, même petit entretien par la commune, mais il n'est pas suffisant. Je veux dire, la mémoire de Moni, ça va aussi, parce qu'il ne nous rappelle pas que ça en avait été là. Dans les ponts, il reste un carreau de bois. Les ponts, aujourd'hui, c'est un tas d'immeubles, ils poussent partout. C'est un tas logements sociaux, l'appartement, tout ça. Ils trappent de Moni dans la case à terre, ils mettent dans la case en l'air, mais entre les deux, ils n'apprennent pas de Moni comment ils vivent dans la case en l'air. Et quand de Moni, là, il arrive dans la case en l'air, ben, Zot, il regrette que, voilà, à côté de Zot, n'a plus un carreau à terre, n'a plus un endroit, un morceau de bois. Un petit endroit pour faire un grillade, pour faire un petit manger dehors. Donc, Nana, ce carreau Banoir-là, nous essaye de préserver, nous essaye de conserver tel quel, mais nous fait aussi une animation là-dedans. Conserver veut dire, enfin, pour nous, l'association Ponceau, hein, que m'y fait de bout, dans cette association-là, nous fait bonnes activités ici, nous amène bonne marmaille, nous sortons marmaille à l'école, nous amène bonne gramoun de temps en temps ici, nous fait le festival. Donc, nous essayons de remettre en place une vie autour du carreau Banoir, entre le village Les Ponts et le village artisanal, la cour, l'usine que les par ici. Comme ça, de Mouni revient dans notre quartier. Voilà que ça nous essaye de faire. Et moi, en tant qu'auteur, moi, les militants aussi par rapport à ça, par rapport au patrimoine, le vivre ensemble, la culture de notre pays, la langue. Donc, on a bon peu de affaires, mais essayons de mailler dans ce festival-là. Mais voilà, c'est l'engagement toute une vie. Un bouc tout seul, il ne suffit pas. Heureusement, on a de Mouni autour. Il donne la main et il nourrit à moi pour aller rôder des idées et mettre en place des projets. Qu'est-ce que c'est une chose? Un objet. Un oiseau, un couleur, juste pour dire mon fond de cœur. Un plume pour écrire, maman. Moi, j'ai écrit un conte en 2006 qui s'appelle Tigouya, le Timagouya, t'es vu aller voir la mer. Livre-là, il était publié en 2009. Donc Nade Mouni connaît le livre, Nade Mouni connaît le pièce théâtre, parce que la compagnie Théâtre des Albert a fait un pièce théâtre ensemble ça. Et en fin de compte, le pièce théâtre a fini de jouer plus de 120 fois sur la Réunion, donc on a bon peu marmaille, la fin de aller. Le livre a gagné 2 prix, le prix du livre insulaire à Ouessant en France, et le prix livre océan indien ici la Réunion. Mais les histoires, en fin de compte, que ça il est. C'est un petit Margouya Mafat. Il fait penser à moi, la chanson l'entend, hein, nos enfants Léo, nos enfants Marla n'a jamais vu la couler à la mer. Mais Margouya, c'est ça. Tigouya, l'histoire de ma fat, Eli, à chaque fois, il entend bonne randonnée. Là, il passe côté son case, il raconte à où la Réunion, la montagne, la mer, tout ça. Et arrive un lieu, il a envie d'aller voir la mer lui aussi. Donc, il monte dans sa cadeau à un moon, il traverse par côté Saint-Benoît, par là-bas, il descend, il arrive sur la côte, il rencontre bons animaux. Et puis, il en a un tas, que c'est une chose, s'y rendent devinette longtemps. Et il répond le bon devinette, et au fur et à mesure, il avance.
jusqu'à temps il y arrive Saint-Denis, il y arrive Saint-Gilles, il y arrive Saint-Philippe, par à côté volcan là-haut, et il me raconte pas la suite, bien sûr. Qu'est-ce que chose un animaux. Pousse un lit au galop, il va gonfler son jabot, pèse dessus son bouton, il va rentrer dans le rond. Coq l'espèce, coq bataille. Moi, malade décide vivre de mon écriture, c'est-à-dire, m'y fait un livre, mais c'est pas un livre, il fait vivre à haut. En tout cas, n'a pas assez de ventes pour dire, ou touche des droits d'auteur, comme en France, ben, il dit des auteurs, les publier, je sais pas combien de milliers d'exemplaires. Ici, n'a pas de ça là, nous. Ni en CD, ni en livre, il n'est pas facile pour vivre de la musique. Par contre, m'y vivre de mon écriture, c'est-à-dire, m'y fait un tas d'ateliers d'écriture, dans l'école, avec bon, l'association, pour bon, services sociaux, des fois, collègues de la mémoire dans les quartiers. Donc tout ça, il fait que l'écriture là, il est ancré sur le territoire. C'est l'écriture réunionnée. Maman a décidé d'écrire La Réunion et écrit deux mounes La Réunion. À partir de là, ben, je ne connais pas. Est-ce que Millet vivent de ça? Oui, moi n'est pas malheureux. Mais moi n'est pas non plus un superstar à l'américaine avec gros 4x4 et compagnie. Hein. Non, non. Nous reste simple. Qu'est-ce une chose? Nous voit pas nous jamais. Même si nous reste à côté. Les yeux nous voient pas nous jamais, même si nous reste à côté. On a un tas de projets en même temps. Par exemple, Nena les Ogues de Barbara, le livre m'a fait sortir l'année passée, en octobre l'année passée. Livre-là, je jouais à lire en histoires racontées avec la musique. On a deux musiciens ensemble, moi. Donc, mois d'octobre, nous ça joué deux, trois fois sur La Réunion. Nous jouer pour bonne l'école, nous jouer. Dans les salles, tout ça. Et en octobre aussi, on a deux autres projets, il vient là. C'est-à-dire, en octobre, entre le 22 et 29 octobre, on a un carte blanche dans la salle Canté à Saint-Denis. Et pendant ce carte blanche-là, nous fait Les Ogues de Barbara, nous fait jouer Tigouya pour Bonne Timarmaille, nous fait mon concert aussi, parce qu'en tant que Fondkaiser, on est sur la scène avec mon bon musicien. Et là, nous jouer un concert, la musique, Fondkaiser, texte, tout ça là. Et puis un autre projet, ça arrivé début octobre, avec deux slammeurs sud-africains, on est en train de mettre en place. Deux slammeurs sud-africains, un danseur contemporain, un DJ, un musicien et moi, nous les six sur la scène. Et nous, ça va sur un spectacle en création totale autour de la parole et la danse. Donc ce spectacle-là, il s'appelle Fondkaiser et Poetry. Il sort le 11 octobre et il y jouait jusqu'à début novembre, un petit peu partout sur La Réunion, ça marchait. Qu'est-ce que c'est une chose? Un insecte. Un l'armée pour dessaguer, juste un chef pour commander, soldat, il cachette la journée. Sans pied. Mon musique, en fait, c'est une musique que sur la base Maloya, mais un Maloya évolutif, un Maloya moderne, contemporain, je ne connais pas trop comment il faut dire, mais je n'ai pas grandi ensemble Maloya. Donc forcément, moi, on a d'autres influences, on a grandi ensemble la musique qui sort dehors, le funk, la soul, le R&B, des affaires comme ça là. Le rock. Donc dans mon musique là, nana une guitare électrique des fois, ben, il fait des ordres, nana une batterie des donne un rythme qui n'est pas forcément ternaire, qui n'est pas une batterie Maloya. Par contre, nana une guitare, nana un triangle cayenne, nana un rouleur, nana sept percussions. Tout ça là ensemble, il fait une musique qui est mélangée, nana reggae, nana rock, nana Maloya, percussion, nana plein d'affaires et puis nana surtout de texte. Tout ça il tourne autour le texte. Nana texte a cappella. Et parfois, ben, le spectacle il tourne aussi dans une version un peu théâtre. Parce que m'en a fait une résidence, mois d'avril, m'en a fait une résidence ensemble, l'Espace, le Comte de Lille, le Palaxa et la Fabrique. Et m'en a travaillé avec Luc Rosello, metteur en scène, pour redire mon bon texte, réapprendre comment il dit mon bon texte, pour ne pas tomber dans une affaire trop musicale, un peu trop passe-partout. C'est-à-dire que moi, ce que de moi, il connaît dans mon travail, c'est que moi, m'en ai à 10 heures. Moi, j'ai 10 heures de texte. Des fois, il dit « me raconte d'histoire », oui, mais « me raconte d'histoire » que l'écoute. Un fond de cœur, ce n'est pas une histoire très très longue, mais « me raconte » et mon bande musicien y accompagne à moi derrière. Donc, nous la retravaillons tout ça là, nous la retravaillons le spectacle, un mois de résidence, nous la travaillons le texte, nous la travaillons la musique et nous la amène un discours lumière aussi. Et ça, c'est important parce que la lumière, il fait tout un travail autour le mot, autour la parole et il crée une ambiance dans la salle, sur la scène, sur un musicien ou bien sur moi et ils permettent, voilà, on a un autre point de vue aussi de ce spectacle-là. Qu'est-ce que c'est une chose? Un animaux. Si,
la lame aiguisée pour couper juste ainsi la lame couchée. Les cousins tas à faire là ces temps-ci. Requin 6, ranger le dent aiguisé pour couper un lame la mer couchée. En 2003, il arrive à moi une affaire extraordinaire, c'est que maintenant un petit baba y arrive. Et petit baba là, m'a rendu compte quand il est arrivé que j'avais un tas d'affaires dedans. Là, moi, t'es vu dit. Un tas d'affaires, t'es vu sorti. Un tas d'affaires, je ne l'ai pas entendu, moi, comme était marmaille. Et tout l'amour, je ne l'ai pas gagné. Vous connaissez grand monde génération avant. Il dit pas où ça, ma mère, moi, les filles de où. Mien, ma où, mon garçon, ceci, mon garçon, cela. Tout ça, je ne l'ai jamais entendu, moi. Arrivé un l'air, ben, quand mon enfant là arrivé, on avait envie de donner aller, tout ça là. Et puis, il y avait un tas d'histoires dans mon tête. Il y avait un tas de. Je réfléchi un coup, il me dit, mais à moi, en tant que parent, en tant que bougue, en tant que réunionnais, qu'est-ce que ça me donne mon marmaille en plus que l'école. C'est-à-dire, l'école, il va donner lien à faire un jour, la société va donner lien à faire, son bonne famille va donner lien à faire, mais moi. Comment me gagne être original, comment me gagne être particulier, comment. Qu'est-ce que ça m'en a de moi-même pour donner ce marmaille-là. Et plus, au plus, je me suis posé à moi la question, au plus, l'écriture était sorte. Marmaille était petite, donc je n'ai pas fait un dialogue. Alors, je la mettre en papier, je la mettre à l'écrit. Fira Meziel, il a écouté, Fira Meziel, moi la raconte à lui. C'est comme ça mon premier pièce théâtre est né. Le premier pièce théâtre, il s'appelle Zamalgame, que la sorte en livre. Donc Zamalgame, l'original parce que c'est un bois d'allumettes. Le monde demande moi comment il fait, mais voilà, un bois d'allumettes. Zamalgame, il commence, enfin le pièce théâtre, il rouvre dessus, un papa, il cause ensemble son marmaille dans notre salon. Voilà, et ça c'est une situation que est tellement intime. Le papa lui fait un fond de cœur son marmaille et lui raconte à lui. Et le pièce théâtre, il finit dessus le même scène. Et le papa, il fait un autre fond de cœur et lui raconte ça son marmaille. Ce bon fond de cœur là, ben, l'ouverture par exemple, il appelle Si où t'es un fruit. Et ben, Si où t'es un fruit, t'es un autre livre hein, que moi l'a fait sortir aussi. Voilà, enfin, il montre, mais maintenant un tas de livres, hein, un tas d'affaires comme ça, que la fin de sortie. Mais Si où t'es un fruit, c'est le premier texte vraiment que moi l'a écrit pour mon marmaille. Et après, ben, elle donne le nom, le spectacle, c'est un texte que je mets en musique. Mais le papa, quand il cause avec son marmaille, en fait, c'est moi qui fais la déclaration avec mon marmaille. Que c'est une chose. Un fruit sort dehors. Un ballon en pagaille, souterrain sans bataille. Petit ballon rugby dans le grain d'olive, marmaille. Un olive. Au début, même comme elle a écrit, pour moi, il fallait écrire en créole parce que on avait un sentiment militant dedans, de dire, moi, ben, livre en français, on est dans un tas. Livre, il raconte la Réunion en français, on est dans un tas aussi. Enfin, pas tant que ça, mais on est là. Par contre, bon, livre en créole, entièrement en créole, bon, texte entièrement en créole, n'a, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas un tas, pas plus que ça. Donc, pour moi, au début, oui, on était dans ce l'énergie où il fallait écrire en créole, parce qu'il fallait dire en créole, il fallait autre parole, les entendre en créole, il fallait les histoires, les raconter en créole. Aujourd'hui, il dit non, moi, on a deux langues, on a grandi avec le français, on a grandi avec le créole, et ils ne défendent pas mon marmaille, ils causent français, et ils causent créole avec lui. Mais la Réunion, nous vivons avec minimum deux langues, minimum, parce qu'on en a un tas d'autres langues que nous ne mettons pas en avant encore, mais arrive un jour, ça aussi, ça va révolter. Donc, là, il écrit bon texte en créole, bon texte en français, puis bon texte, on a les deux langues, les mélanger. Sauf pour moi, bon, après, on a une autre histoire, c'est la graphie. Quand il écrit en créole, pour moi, il respecte un graphique. Quand il écrit en français, il prend l'orthographe en français. Et il ne maille pas, il ne mélange pas les deux langues dans la même phrase. C'est deux choses que les bien distinctes dans mon texte. Donc, il fait aussi un espèce d'apprentissage parce que la Bemoun, il prend mon bon texte et puis il dit aux autres, ah ben comme ça, tu comprends mieux comment il écrit. Bonne mola, tu es fini oublié. Donc, la mémoire, elle est activée ou bien réactivée à travers l'écriture, parce que l'écriture il renvoie aux autres sur un autre temps, un autre espace-temps. Et ça, l'important, c'est que à un moment, on pose un texte, moi en tant qu'auteur, on pose un texte et me dit voilà, les écrits, les publiés, en 2008 par exemple, les écrits comme ça, mais la langue créole là, comme les bouge vitement, là, notre langue même, vous connaissez, on a français, il rentre là-dedans, on a texto, on a bon mot, il sort dehors, en anglais. Ouais, les gars, ils pull up, ils check, tout ça là. Nous, les Américains, nous, les modernes, nous, les mondiales, nous. Mais si nous marquons pas ça un jour, là, en 2020, nous va dire, on avait une langue, la Réunion. On avait une langue créole. Et dans le temps longtemps, t'es écosse comme ça.
Moi-même, je ne cause plus le même créole que génération avant moi, que mon grand-parent, tout ça là. Maman, il lève là, je cause une affaire. Je dis, oh, ça c'est créole. Mais où écoute les affaires, le structure est en français, le phrase est en français, mais il y a mettre mi, il y a mettre à où, donc pour lui, il est en créole. Et ça, il faut nous faire attention, parce que là, il y en a un dérive qui est facile. Nous sortons de créole, nous rendons de français, et des fois, nous ne rendons pas nous compte que nos fils arrivent de l'autre côté, nous là. Mais là, pas parce que nous mettons un mi, là, pas parce que nous disons mi, ça va à l'école, ou bien mi, mange, moi là. Des fois, il faut nous réfléchir plus que ça. On a des exemples, on peut trouver, hein, mais la langue créole, ce n'est pas juste hein, l'expression, c'est l'inéna une grammaire, l'inéna une orthographe, l'inéna une conjugaison, mais tout ça ensemble, l'inéna une syntaxe. Donc tout ça là ensemble, il fait que la langue y vive. Et plus nous cause, plus nous publie, plus nous dit dans la radio, plus nous dit dans la télé, même si Internet nous fait vivre à lui. Et c'est ça qui est important. Il ne faut pas nous oublier la langue. Qu'est-ce que c'est une chose? Un animaux. Content ou en colère, tout le temps les colle en l'air. Les cacailles à l'envers seulement, son quai il reste pas à terre. Un magouya. Allez, on a vu ça? L'écriture pour moi c'est bon, d'abord un message, il faut m'y faire passer un message, mais on a déjà fait pour dire. Des fois c'est un délivrance aussi, parce que on a déjà fait, il bouillonne dedans, ou met à lit sur un papier, ben, il soulage à haut. Des idées, il peut être un point de départ pour une autre affaire. Enfin, l'écriture, pour moi, il fait partie de ma vie. Il est là, comme... voilà, m'y mange, m'y écrit, quoi. Il est pareil. M'a besoin de manger, m'a besoin d'écrire. M'y gagne pas dire plus que ça. Moi, l'écriture, elle est là. Elle est dans mon corps, elle est dans mon tête, dans mon main. Il est partout. Il vit avec moi. Entre le 22 et le 29 octobre, je vais aller dans la salle Canter sur l'université pendant une semaine pour proposer à Zot un tas d'affaires. En parmi, le concert, ici en dedans. Monsieur le président du jury, ça a été? Allez, maintenant, nous avons fait un petit tour dans les Hauts de Saint-Leu, à la fête du Cap, où on a eu un cabaret de Daniel Waro. Au cœur du plat, la place Maxime Lahop accueille le maloya traditionnel de Daniel Waro, parrain de la manifestation Cap à l'Ouest. Ici, des centaines de visiteurs se succèdent à la découverte de la Réunion d'autrefois, celle qui façonne notre mode de vie au quotidien. Donc c'est le village d'animation qui propose, avec les associations du Plat, donc des dégustations de méthodes traditionnelles, des démonstrations de savoir-faire. Il y aura aussi des animations, danse, chant, toujours avec l'implication des associations du quartier. Mais c'est surtout une manifestation dans le cadre de l'événement qui s'appelle Cap à l'Ouest. C'est la destination loisirs et activités de vos vacances. Bien bon.
zigzag dedans, c'est la maloya tout ça. Ben, nous proposons un peu de tout, des tapis mendiants, des broutes à broderie, le crochet et puis un petit peu de couture. Aujourd'hui, les associations du Plat sont à l'honneur et pour faire revivre les traditions d'antan, rien de tel qu'un bon carré, un peu de riz, un grain vert, le tout fait maison. On met vraiment goût de ça, mais je vais passer quoi. On applaudit s'il vous plaît. Dans les rues du Plat, un bœuf est de sortie. Là, nous l'a vu, là, nous l'a pas vu. Et quand il parle maman, j'arrête pas parce que je ne connais pas que j'ai été nous perpète un peu la tradition longtemps. Sur son dos, des marmailles qui découvrent la charrette bœuf. Ah, où il y a une charrette, où ? C'est valable ? Les vacances se poursuivent jusqu'à la semaine prochaine. Il vous reste donc encore un peu de temps pour mettre le cap à l'ouest et pour n'y battre un petit carré dans les Hauts-Saint-Leu. Tina, 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 Enza, règle mon cadeau. Moi la pointe pour y égaler, pour moi ça y revirer, si la main un grain n'a pas goûté. Maman y quatre pâtés dans le savon, maman y quatre pâtés. Un kilo de kaki de chiline, ça la pose de canette dans la terre, sur mise l'écoute, maman. Maman y quatre pâtés dans le savon, maman y quatre pâtés. Un kilo de kaki de chiline, ça la pose de canette dans la terre, sur mise l'écoute.
besoin du fruit sans tout donner. À coup d'azote, n'a rien qu'un emporté. Aussi nous télécapé, mon amour. Aussi nous télécapé, mon amour. Aussi nous télécapé, mon amour. Aussi nous télécapé, mon salut l'institution, non mon monti moi pas aussi non, qui salute à salut l'institution. Yeah.
cette élection Miss Ronde 2013, la candidate portant le numéro 6, Émilie Emma. Troisième de fin droite de Miss Ronde. Tous vos applaudissements, bien sûr. Bravo, Émilie. A été élue deuxième dauphine de cette élection Miss Ronde Réunion 2013, la candidate numéro... Candidate numéro 5, Annelle Hichande. Anne Hichande. Bravo, Anne. Deuxième dauphine de Miss Ronde Réunion 2013. Première dauphine de cette élection de Miss Ronde Réunion 2013. Première dauphine, c'est la candidate numéro 4, Marie-Christine Loiré. Bravo. Non, mets bien les charges, mets pas l'envers. Remis par la Miss Ronde Réunion 2012, merci à toi. La première dauphine, pardon. Excuse-moi. Miss Ronde Réunion 2013, c'est la candidate numéro 8, Laetitia. La candidate numéro 8, Miss Ronde Réunion. Sur les applaudissements. Remis par Vanny. La couronne par Vanessa. Miss Ronde Réunion, pardon, de l'Union. Miss Ronde Réunion 2013. Je suis contente d'être élue Miss Ronde Réunion ce soir. Et merci à tous les partenaires, merci au public qui était là pour moi. Merci, Julie. Ben, j'étais pas contente, j'étais très stressée et j'espère que c'était pas trop vu. Maintenant de représenter les plus belles femmes de la Réunion Ronde à Miss Ronde France. Laetitia, 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 Laetitia. Maintenant, direction l'Arabie Saint-Leu pour assister à un concert de meilleurs chanteurs de zouk rétro. Tout de suite, le reportage. Kayambo, Kayambo, marée la paix montée. Kayambo, Kayambo, marée la paix montée. La musique. Marée la paix. Ah ben c'est une superbe ambiance, comme d'habitude quand on vient à La Réunion, c'est toujours avec un immense plaisir. Les Réunionnais sont accueillants, l'ambiance est super. Et là on a vécu encore une autre belle aventure avec des amis qui nous viennent de Madagascar, des Antilles, ben ils sont super sympas. Vraiment je vais rentrer avec de très très bons souvenirs. Mais sans la nous
Nicolas Yeshiko, on a longtemps que mes rêves de voir aller. Et là, l'occasion de moi voir aller, m'a ni voir aller là, m'a envie de voir aller, m'a envie de voir aller. Je voudrais bien te dire des choses pour te faire 5 ans près de moi. Bien longtemps que tu voudras chanter avec moi. Te serrer bien fort sur mon cœur une dernière fois. Je t'en supplie, oui, ma jolie, reste près de moi. I love you, moi aimé. Moins content, Miyamaou. C'est une pièce qui est vraiment super et que j'ai bien adoré. Et s'il fallait revenir demain, ce serait un plaisir pour moi. Je les adore. Miyamaou. Petite fille, sous la scène de pleurer.
et remplir ses points. Allons-y! Les shows. Ah, mais c'est Mario Chico qui vient de passer là, Miado. Mais il y en a d'autres aussi, il y en a plein. Ah, les super, les super. Ah oui. Mais Mani, ouais, un peu comme chanteur La Réunion, on chante des îles, mais de tout quoi. C'est moi qui ai fait arrêter le vidéo. Petit conseil pour moi. Franchement, c'est une superbe ambiance, quoi. Que du bon son pour le moment. Superbe. Bah, tout, les anciens zoos comme ça, on adore. Ça me fait rappeler ma jeunesse, en fait. Quand j'étais beaucoup plus jeune. Oh oui, pardonnez-moi, doudou, pardonnez. Oh oui, pardonnez-moi. Ce qui veut dire, doudou, pardonne-moi. Je ne vais plus recommencer, je t'ai fait souffrir, je regrette. Allez, kiss. Ooh, yeah, doudou, pardonnez. Oh oui, pardonnez-moi. Doudou, pardonnez. Oh oui, pardonnez-moi. Ah ben, c'est Guilou, heureux d'être avec vous ce soir à Saint-Leu pour cette grande fête réussie. Félicitations aux organisateurs et merci à TV Créole qui nous fait l'occasion, donne l'occasion de nous exprimer. Super accueil, public charmant et surtout fidèle à toutes les chansons qu'il a retenues, qu'il a chantées en chœur, venus nombreux. Je trouve que c'était beau, le cadre et la technique y était. La Réunion est fidèle à sa réputation d'hospitalité. Je suis content d'être là et je vous dis à bientôt, voilà. Du soleil, avec des cheveux noirs sur ta colorée. Tout le monde. Fille du soleil. Ben voilà. On y va tous aussi bien me retrouver. Comment l'amour réunit-il les êtres. Champagne pour tout le monde. Voilà
de courir, courir, maillé. Ou en tête, ou pas qu'à coûter. Ou dans tout le monde de parler bas. Mais j'ai dit, ou qu'à divorcer. C'est ça qui rend nous malheureux. Souple, si ce pan rete pleure. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Yo qu'à prier pour yeux ouverts. Ou du manger ou vacciné. Ou s'en foutre pour sa famille dépenser. C'est pas l'argent qui est engagé. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est mon temps là-bas t'invité. Yo bon tabla yo qu'à aller. C'est parce qu'il y a qui l'a messié. C'est un seul bon mal élevé. Ça yo qu'à attendre. Pour yo ba yo manger. Merci, merci. Attention à la galance. Et ma vie. Ça va commencer. C'est là. Spécial Béry Cousin, je viens pour la énième fois à La Réunion avec pas mal de titres que les Réunionnais connaissent. Hein. L'amour magique, Vanessa, Raïssa, Paradis d'amour, Antoinise, la famille Ragazon. Fait bouger plus d'eux. Je dois t'avouer que ce soir, la soirée a tenu toutes ses promesses. On était très en forme et puis le public arrive du présent. On a assuré grave et je suis satisfait de ma prestation. Ceci est valable pour les autres. On va sauter. Yay! Voilà la la! Tam 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 té! Tam tam té! Ça c'est spécialement dédicace! L'ambiance réelle à ta ceinture, mettre casse. Allez, dors bébé, et c'est cadeau. Pas mettre couche. J'ai des jambes. Ladies and gentlemen, fire une chanson de Sandra Mayotte et une chanson de Driss. Et la mi-temps, Jerry Marcos. Thank you.
Bonsoir à tous. Salamé. Il s'en va, ça te fait s'en va. Il y a un petit les spectateurs pour voir un petit peu votre avis sur la nouvelle Miss Ronde Réunion 2013, Laetitia Larisson. Bonsoir monsieur. Alors est-ce que vous pouvez donner à nous un petit peu votre avis sur la nouvelle Miss Ronde Réunion, Laetitia Larisson? Écoutez, c'est une très jolie Miss qui n'a pas démérité pendant la cérémonie pendant l'élection, pardon. Elle a mérité son sacre. Bonsoir mademoiselle. Alors, que pensez-vous de la nouvelle Miss Ronde Réunion 2013, Laetitia Larisson? Écoutez, elle est vraiment très très belle. Bon, j'avais une préférée quand même, hein, mais bon, après, c'est comme ça, c'est le choix du jury, du public aussi. Et Laetitia est vraiment très très jolie, voilà. Et sinon, vous avez passé une bonne soirée? Très bonne soirée, et je dis quand même bravo à Émilie Emma. Même si elle n'a pas été élue, elle est vraiment très très belle, voilà, merci. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Bonsoir Maroni. Télécréole. Vous connaissez Télécréole et partout? Hein? Vous connaissez Télécréole et partout? Mais vois ça, c'est bien. En tout cas, bravo d'avoir été là pour l'élection de Miss Ronde Réunion. Alors, comment on trouve alors la nouvelle Miss Ronde Réunion? Elle est belle. Elle est belle, elle est magnifique. C'était l'une de mes favorites et franchement, elle est contente du résultat. Et la présentation, alors ça a été? Pas trop stressé? Non, ça a été. En tout cas, comme d'habitude, m'a bien amusé, moi. Mais en tout cas, tu l'as assuré, en tout cas. Je peux te dire. Hein. Mais t'es devant, m'a pas raté. Bonne soirée, Maroni. Merci à toi, bonne soirée à toi aussi, Carole. Merci. À bientôt. À bientôt. Encore, c'est pas fini. Bonsoir. Alors, comment vous l'a trouvé la soirée? Ah, super soirée, on a passé un super moment. C'est bien. Et alors, la nouvelle Miss Ronde Réunion 2013, comment on trouvait? Ah, elle est super, franchement super. Enfin, c'est quelqu'un que je connais, hein, dans le quartier de Saint-Anne, ouais, super.
Donc on est bien content alors. Ouais, vraiment. Un petit message à faire passer à elle là. Écoute Laetitia, félicitations et puis je pense voilà, qu'elle représente fièrement les rondes quoi. Bah merci en tout cas, bonne soirée, merci. Bonne fin de soirée. Merci. Alors comment on trouve la candidate Laetitia? Magnifique. Elle a assumé depuis le début jusqu'à la fin. Elle a fait les mains et pieds pour ça et nous les fiers d'elle. Alors ça, on sort là du coup ici ce soir là. Sainte-Anne. Toute l'équipe Staza là dans le club, Athletics Club de Sainte-Anne. Nous les venus pour encourager à elle et nous les fiers de elle. En tout cas, merci en tout cas, mais je pense que ça, nous tous n'a passé une bonne soirée quand même. Ah, super, à refaire, demain mais on vient, ça tu fais. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci à ça aussi. Alors là, il est avec le président du jury, Aziz Patel. Alors Aziz, comment on a trouvé la soirée? Bah écoute, c'était un beau show. Mieux que l'année dernière évidemment, mais c'est normal puisque tous les ans ça évolue dans le bon sens. De toute façon, je pense que cette élection est nécessaire pour mettre en valeur les femmes qui ont des formes. C'est important puisque la beauté, ça concerne un peu toutes les femmes. Donc un beau show, bravo à l'organisation. Et puis une belle Miss qui a été élue. Bah d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a à dire sur elle, alors la nouvelle Miss Ronde Réunion 2013, Laetitia Larisson? Bah écoute, toutes les candidates étaient très bien, mais comme d'habitude, le jury, il fallait qu'on choisisse. On a choisi, c'était serré, mais elle a remporté le titre, je pense que c'est mérité. Et je dis quand même bravo à toutes les autres candidates. En tout cas, merci beaucoup. On a un petit message à faire passer? Oui, que vivent les femmes rondes. Merci Aziz, au revoir. Merci, au revoir. Alors maintenant, comme vous avez pu voir, mais avec Miss Réunion 2013, la belle Vanny Mdouaouma. Alors bonsoir Vanny. Bonsoir La Réunion, bonsoir à toutes. Alors comment s'est passée la soirée? Alors t'es vraiment une soirée magnifique, les filles, t'es vraiment en forme, t'es motivée, elle avait envie de gagner et nous te vois ça vraiment bien comme il faut. C'était un super show. Et comment on trouve la nouvelle Miss Ronde Réunion 2013, Laetitia Larisson? Ben, la nouvelle Miss Réunion 2013, elle est très jolie. Donc comme moi, nous deux, ça représente la Réunion à Miss France. Donc elle pour Miss Ronde France, à moi pour Miss France Réunion. Enfin pardon, pour Miss France tout court. Et je pense que ce sera un bon concours pour nous deux. Et un petit message à faire passer aux téléspectateurs de Télécréole. À tous les téléspectateurs de Télécréole, gros bisous à toutes et suivez à nous pour l'élection. Non mais Miss Réunion, là, il faut voter là par contre. Hein. Ah oui, hein. Tape le numéro, le texto, mais que les pas avoir tout ça après, mais en tout cas il faut voter. Ben Vanny, en tout cas, je te remercie. Vraiment, t'es super belle, super généreuse, souriante. Moi, en tout cas, je te souhaite tout le bonheur hein, et j'espère que tu vas gagner à Miss France, hein, en tout cas. Merci beaucoup. Donc, mes remerciements à Zad de Zad Fidélité. Bah, l'émission est finie. Et mes Zad, à très bientôt pour d'autres reportages Zad Émission Zambrocal. Au revoir. Tous les samedis à 9h, le dimanche à 17h et le mardi à 21h10. Le compte de Suzette.